Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier kit de dice que j'ai acheté à Anneau. Celui-ci, je l'ai acheté à 2,50 €. Et je vais vous faire voir tout de suite ce que j'ai fait avec ce dice et les différentes possibilités que j'ai trouvées pour utiliser ce dice de, enfin, ce kit de dice de 14 dice qui s'appelle Triple Layer Collection Wide Flower. Donc à l'intérieur, vous avez 14 dice, c'est-à-dire vous avez de quoi faire une fleur comme ceci, une fleur comme ceci et des pétales. Les pétales, bien sûr, ne sont, vous en avez deux de plus. Vous pouvez faire différentes choses. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, déjà pour commencer... Attendez, il en reste un bout. Hop, c'est bon. Alors, à l'intérieur, les 14 dice, vous avez un livret comme ceci qui vous montrait ce qu'on pouvait faire avec. Donc, ce sont les fleurs qui sont ici. Alors, on ne voit pas très bien. Et j'ai eu énormément de mal à retrouver, comme on dit, les petits lapins dans le nid. Parce qu'on voit très mal et on ne voit pas... les différentes, enfin, on voit les différentes couleurs qu'ils ont utilisées, mais on ne voit pas la profondeur pour savoir à quel niveau ils ont utilisé les couleurs en question. Donc j'ai dû faire des essais, et c'est en essayant comme ceci que j'ai pu retrouver plus ou moins ce que chaque dice faisait, et ensuite les cumuler pour obtenir, savoir ce que je pouvais faire avec. Alors je vais sortir déjà les dice pour pouvoir vous les faire voir. Hop. Alors, il y a celui-ci. Non, à l'autre sens. Celui-ci. Celui-ci. Hop. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, on les a tous. Vous avez donc les grands ici qui font la découpe de la forme en pleine. Ici, ça fait pas la découpe de la forme en pleine, ça ne découpe que les formes intérieures. Ça ne découpe pas l'extérieur. Ici, pareil. Ici, pareil. Ça, c'est les feuilles. Ça, c'est encore des fleurs. Là, c'est la même chose que celle-ci, mais en plus petit. Celle-ci, c'est la même chose que celle-ci, pareil, en plus petit. Pareil pour les deux feuilles ici. Ça, pareil, ça fait un peu comme les pistils. Et ça, les feuilles. Les feuilles, vous avez une forme extérieure et deux formes intérieures. Pour les fleurs, exactement pareil. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais pousser ça pour pas trop... voilà. Alors, je vous fais voir sur une seule des deux tailles de fleurs, en sachant que la petite fleur, c'est exactement la même chose. Le grand dice, ça vous donne une fleur pleine comme ceci. Voilà. Ensuite, celui-là, ça va vous donner ceci. Donc, vous voyez, ça ne fait que les découpes des demi-pétales. Hop. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-ci, ça va donner ça. Et vous voyez, ça fait les découpes des pétales en entier et des pistils. Là. Hop. Ensuite, donc celui-là, celui-là et celui-là, c'est la même chose, mais en plus petit. Donc, c'est également sur mes découpes ici. Ensuite, vous avez les pistils. C'est ça.
Ça donne, je vais pas arriver à l'attraper, ceci. Et vous avez le même un petit peu plus petit ici. Hop. Ensuite, les feuillages. Donc vous en avez deux, un plus grand, un plus petit, qui vont donner. Où sont mes feuillages? Là. Ça va donner ça comme découpe. Donc des fonds. Ensuite, ceux-là. Ça va donner ça comme découpe. Donc ça ne découpe que l'intérieur. Hop. Voilà. Et ensuite, les deux derniers. Donc c'est pas ceux-là. Non, j'ai fait l'inverse, pardon. Je dis des bêtises. Donc ceux-là, c'est ceux-là. Voilà. Hop. Et ces deux-là découpent ceci. Donc vous voyez, ça ne fait pas l'extérieur des formes. Pour obtenir une fleur complète, c'est-à-dire ça plus ça. Faites pas attention aux couleurs. J'ai fait exprès de ne pas mettre forcément des couleurs de fleurs. Parce que je voulais que ce soit vraiment contrastant. Donc, je vais prendre une pince pour tenir tout ensemble. Pour que vous voyez bien sans voir mes gros doigts. Encore faut-il que j'arrive à me servir de ma pince. Voilà. Donc, vous avez un fond rouge. Une fleur avec un léger fond bleu, mais on voit le fond rouge. Et une fleur jaune au-dessus avec des pistils. On voit le fond bleu et on voit le fond rouge. Et au-dessus, un pistil bleu. Pour obtenir ça, alors, il a fallu décomposer. Le pistil, pour ça, on n'a pas besoin de composer. C'est vraiment celui-là qui fait le pistil. Pour obtenir celle-ci, il a fallu faire... Alors, celle-ci, le dies extérieur, et celle-ci. Donc, vous mettez votre washi, vous les découpez ensemble, et ça vous donne ça. Donc, il faut d'abord faire une découpe comme ceci, pour avoir le fond rouge, et une découpe avec ça, et ça, dans une autre couleur, pour avoir cette forme-là. Hop. Et pour avoir cette forme-là, il faut reprendre la découpe de l'extérieur, plus, alors tout de suite, on vient de prendre celle-là pour faire le fond jaune, et on va prendre celle-ci pour faire le bleu. Hop, comme ceci. Donc, on reprend, comme ça. Alors, pour celle-là, on n'utilise que celui-là. Pour celle-ci, on utilise celui-là avec celui-là. Et pour celle-ci, on utilise celui-là avec celui-là. Et ensuite, on obtient, donc on découpe celui-là également pour obtenir les pistils. Et on obtient donc la fleur complète en mettant d'abord le fond. Ensuite celui-là, ensuite le dessus, et ensuite les pistils. Toc. Et on obtient donc, attendez, que je mette ma pince de façon à ce que vous voyez bien tout. Là. On obtient donc la fleur comme ceci, et je la trouve magnifique. Alors bien sûr, il faut trouver des couleurs qui fassent vraiment fleur. Moi, j'ai fait comme ça parce que j'ai pris dans mes chutes de papier, en fait. Simplement, j'ai pas voulu gaspiller une feuille de papier, donc j'ai pris dans mes chutes. Pour faire les pétales, donc pour faire la petite fleur, c'est exactement la même chose avec ces trois dies-là, enfin ces quatre-là avec le pistil. Et c'est la même répartition que pour celle-ci. Et on obtient
la petite, qui est comme ceci, avec son pistil. Donc vous voyez la différence de taille. Attendez. Hop. Voilà. Vous avez une petite et une plus grande. Donc là, c'était pour les fleurs. Maintenant, on va passer aux pétales. Alors, pour obtenir... alors, il manque un morceau clair. Oui, c'est ça qui va en dessous. Pour obtenir votre pétale complet, c'est-à-dire celui-ci, il va vous falloir utiliser d'abord celui-là, donc le grand, découpe du tour. Il me manque un morceau. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mes petits? Alors, c'est celle-ci, je crois. Non, ça, c'est le petit, c'est celui-là. Hop. Voilà, il en manquait un. Donc, au total, ça donne ceci. Donc, vous avez, d'abord, on utilise celui-là. Ensuite, pour créer celui-là, on va utiliser celui-là avec... non, c'est pas celui-là, avec celui-là. Comme ceci. Et pour avoir celui-là, on va utiliser celui-ci avec celui-ci. Donc on fait une découpe, celui-là tout seul, celui-là avec celui-là d'une autre couleur, celui-là avec celui-là d'une autre couleur, et on vient mettre celui-ci sur celui-ci, et les deux sur celui-ci. Et on obtient donc, de la même manière que la fleur, un pétale en 3D. Mais vous pouvez parfaitement utiliser de temps en temps un petit pétale comme ça, pas 3D, de façon à avoir beaucoup plus de pétales et pas forcément trop d'épaisseur. Mais vous avez quand même de très jolis pétales. Donc avec ces trois-là, et on obtient exactement la même chose avec les petits. Alors, je vais vous faire voir la différence de taille. Donc là, c'est le grand. Là, ça va être le petit. Voilà. Donc, toc. Donc ça fait deux pétales de taille différente qu'on peut utiliser soit pour la petite fleur, soit pour la grande fleur, soit pour les deux. Voilà. Et les chutes de découpe de ces dies-là, ici, ça donne ça. Et pour le petit, allez. Attendez, hop, en gris, il m'en manque un. Ça donne donc ces deux dies-là, donnent ces quatre chutes-là. Je pense qu'on peut les utiliser pour faire d'autres pétales un peu plus petits avec le reste. Donc ça fait quand même de très très jolies fleurs avec des pétales qui sont quand même relativement jolis. Voilà. Hop. On peut quand même faire de très belles choses. Donc c'est un set de dies qui fait au total donc 14 dies et on peut faire une petite fleur, une grande fleur, un petit pétale et un grand pétale. Et on peut varier, on peut également utiliser simplement une découpe comme ça sans mettre de fond. Ou une découpe comme ça sans mettre de fond, ou une découpe comme ça sans mettre le dessus. On n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois tout pareil pour les fleurs. On peut très bien utiliser celle-là avec juste le pistil. C'est beaucoup plus simple, mais pour ceux qui veulent, pourquoi pas. Ou bien alors celle-là, le pistil. Pareil, celle-là, le pistil. On n'est pas obligé de faire la fleur en 3D. Et ça donne ça.
Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est vraiment très bien fait. Encore un très bon kit de dies. Je suis vraiment très contente. En toute sincérité, c'est pas de l'argent de perdu. Sur Internet, je l'ai trouvé entre 11,99 et 15,99 selon les sites. Les sites anglais étant beaucoup plus chers, en sachant qu'en plus, les sites anglais, vous avez une taxe douanière dans la mesure où l'Angleterre, forcément avec le Brexit, ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, en plus, vous payez la taxe douanière. Donc, selon les sites, soit vous la payez directement, soit vous la payez à l'arrivée. En général, c'est sur le site directement. Et bah, ça fait pas toujours plaisir d'avoir à payer un dice 20 euros. Simplement parce que vous avez des taxes douanières. Et là, 11,99, le moins cher que j'ai trouvé sur Internet. Donc, ça reste quand même intéressant de l'avoir acheté moi. Alors, attendez, bougez pas. Hop, je l'avais acheté. Alors, ça, je peux le jeter, c'est les chutes. Je l'avais acheté 2,50€. 2,50€. À 11,99€, le moins cher de ce que j'ai trouvé, je pense que je ne suis pas perdante du tout. Donc, je vais utiliser ce dies pour faire des cartes, pour faire des décorations dans des albums. Et je n'aurai aucun regret de me dire que je l'ai payé pas trop cher et que je n'ai pas acheté ça sur un site... de contrefaçon en fait. Voilà, c'est vraiment un site, enfin c'est Nose, je sais bien, mais c'est pas une contrefaçon, c'est vraiment les dice de la marque. Donc moi je vais pouvoir ranger tout ça à l'intérieur de ma pochette en attendant de les ranger dans leur pochette que je fais avec la plastifieuse avec une plaque aimantée parce que vous voyez autrement c'est bazar. Hop. Pour l'instant, je vais mettre avec les découpes que j'ai faites. Pas pour les réutiliser, mais pour garder un modèle, en fait. Hop. Comme ça, je pourrais me rappeler de ce que je dois faire, dans quel ordre et en utilisant quel dies. Hop, je les mets devant. Voilà, donc ils sont rangés devant, ils peuvent plus sortir, les dice non plus. Voilà, c'est en attendant de les mettre dans la pochette avec la feuille aimantée. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez eu ce dice, si vous l'avez trouvé dans votre nose. Mettez-moi en commentaire si vous avez, si vous l'avez acheté. Dites-moi si vous l'avez utilisé, si vous avez réussi à vous en servir, si vous avez trouvé une autre utilisation que ce que je vous ai fait voir. N'hésitez pas, si vous avez trouvé une autre utilisation, à m'envoyer un mail avec la photo de ce que vous avez fait. Et je partagerai dans une prochaine vidéo votre création. N'hésitez pas aussi à me mettre, si vous ne l'avez pas trouvé, ce que vous pensez de ce dice, si vous l'aimez ou si vous le trouvez bien ou pas bien. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.